Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue fond de teint. Donc c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme qui est sorti début janvier, donc c'est tout frais, qui remplace en fait l'ancienne formule qui est le teint Idol Ultra 24h. Donc le fond de teint est disponible chez Sephora et également chez Lancôme. Il y a 40 teintes de disponibles, donc cela cible les teintes les plus claires ou peaux les plus foncées. Donc déjà chapeau Lancôme pour l'initiative, donc là vous avez vraiment bien calculé votre coût. Donc le fond de teint coûte 46,50€. Oui, je sais, ça fait mal au porte-monnaie. Mais bon, venant d'une marque de luxe, je m'attendais pas à un prix discount. Alors parlons un peu de ce fond de teint. Donc il est censé tenir 24 heures avec une longue tenue, confortable, et il n'est pas nécessaire de faire de retouches. Donc il est un fini mat, et d'après la vendeuse chez Sephora, il est très couvrant. Alors sinon, question packaging, on est dans quelque chose de très luxueux, fidèle à Lancôme, hein, bouteille en verre, bouchon noir, semble que c'est du plastique, avec le dessus, avec le cachet rose Lancôme. Donc très joli en soi. Si je devais le comparer à l'ancienne, à l'ancien packaging, il n'y a que le bouchon qui diffère, transparent. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est quelque chose de très joli. Alors je vais vous expliquer brièvement pourquoi j'ai acheté la nouvelle formule et ce que je reprochais à l'ancien format. Donc celui-ci, je l'aimais bien, sauf que je trouvais qu'il avait une tenue pas forcément excellente et que le rendu n'était pas extrêmement mat. Donc si je dois le comparer au Double Wear d'Estée Lauder ou le Studio Fix Fit de MAC, je trouve que celui-ci est beaucoup plus satiné. Donc ça m'avait un petit peu déçu. Et le deuxième élément qui m'a un peu marqué, c'est qu'il avait tendance à s'oxyder. Donc sinon, le point positif de son teint, c'est qu'il était parfumé, mais pas parfumé avec une odeur un petit peu chimique. Je trouvais que c'était une odeur très agréable. Je sais pas s'ils ont mis la vie EVL dedans, mais ça, je trouvais que ça sentait très bon. Et donc concernant la nouvelle formule, je me suis un petit peu renseignée auprès de la vendeuse chez Sephora. Donc elle m'a dit que la différence, c'est qu'il avait la formule est différente déjà. Le fini est bien plus mat et il est bien plus couvrant. Donc ce sont des éléments que j'apprécie dans un fond de teint. Ce sont même les principaux éléments que je recherche dans un fond de teint. Donc on va le tester et puis let's go. Alors pour l'application de ce fond de teint, je me mets en mode vie quotidienne. Donc base de teint, fond de teint, anti-cerne, poudre. J'applique mon fond de teint avec un pinceau lambda. Histoire de vraiment être dans ma réalité et de ne pas fausser un petit peu mon jugement. Donc hors caméra, j'ai appliqué ma base de teint de chez H&M. Donc c'est une base pour peau mixte à grasse. Donc ensuite on va passer à l'application du fond de teint. Donc pour info, le fond de teint que je possède, c'est la teinte Sienne. Dans l'ancien format, c'était également la teinte Sienne. Donc j'ai fait un petit comparatif des deux teintes et les teintes sont assez similaires. Donc le fond de teint contient une pompe, nickel. La texture est un peu crémeuse, mais pas trop non plus. Texture un peu liquide. Donc j'ai tout d'abord mis une pression. On va tester sur un côté. Je l'applique avec un pinceau lambda. Donc c'est parti. Donc le fini a l'air de correspondre à ma carnation. Ah bah il est parfumé, autant pour moi. Je pensais qu'il l'était pas du tout, et ben il l'est. Bon. Donc voilà, avec ma petite pression, j'ai fait une partie du visage. Donc je trouve que le teint est unifié. Ça n'a pas camouflé toutes mes imperfections. Mais j'avoue que j'ai pas mis énormément de fond de teint non plus. Mais en tout cas, la couleur correspond et le rendu reste vraiment très mat. Par contre, j'ai remarqué que le fond de teint avait tendance à sécher très très vite. Donc soit vous l'appliquez par petites touches, soit vous allez très vite. Donc voilà, faites attention avec ça. Mais le rendu est vraiment mat, pas du tout satiné ou glowy. Donc voilà, j'ai terminé le visage. Là, j'ai utilisé l'équivalent d'une pompe. Je trouve que le rendu est bien unifié, le rendu est vraiment mat et c'est naturel. Donc j'apprécie le rendu. En tout cas pour le moment, ça me convient. Donc je vais essayer avec une seconde couche histoire de corser un petit peu le test. Donc attention, j'ai l'impression que la pompe distribue pas énormément de matière. Donc une demi-pression, je pense que ça peut largement faire tout le visage. Donc oui, c'est bien parfumé. Là, je le sens bien comme il faut. Mais l'odeur est très agréable également. C'est pas une odeur de bibliothèque cloisonnée, là. Ouais, donc là, ça couvre davantage. Donc voilà, la seconde application, je trouve que le rendu est quand même assez couvrant. La couvrance, je la qualifierais de, encore une fois, moyenne à forte. Ça camoufle bien. Sans pour autant plâtrer le teint, le rendu reste quand même quelque chose de regardable et de naturel. Donc je suis plutôt satisfaite pour le moment. Ouais.
Donc je vais terminer mon teint et puis on voit le résultat final. Voilà le résultat final. Donc pour l'anti-cerne, j'ai utilisé le Double Wear Concealer d'Estée Lauder. Donc c'est la teinte Extra Deep. Donc pour fixer mon fond de teint, j'ai utilisé le Mineralize Skin Finish de MAC, le Dark Deepest. Voilà, c'est un rendu un peu satiné, donc je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Je dirais même que je suis amplement satisfaite du rendu. Donc le rendu est plutôt bien mat, sans plâtrer, sans que ça fasse trop factice. Donc on se retrouve tout à l'heure, là il est 16h. Je pense que je ferai un retour, mais alors très très tard, étant donné que là je vais sortir et que je vais pas rentrer maintenant. Donc à tout à l'heure. Et bien me voilà de retour à la maison, il est super tard, je crois qu'il est minuit 40, minuit 50, j'ai pas mon téléphone à coller, donc je suis désolée, je vous dis juste, c'est fait juste de me croire. Concernant le make-up, je n'ai pas fait de retouche de la journée, à part changer la couleur de mon rouge à lèvres parce que le rouge ne me plaisait pas finalement. Par poudré, j'ai rien fait en fait, donc je vous laisse regarder le rendu. Moi personnellement, en me regardant, je trouve que le résultat est vraiment satisfaisant. Je m'attendais à une boule à facettes et pas du tout. Sachant que je me suis quand même pas mal déplacée aujourd'hui, j'ai beaucoup bougé, j'ai conduit, j'ai également marché pour rentrer, donc il faisait froid, il n'a pas plu, mais bon, l'atmosphère était un peu humide, donc voilà quoi, le teint était quand même mis à rude épreuve, on va dire. Mais je trouve qu'il a résisté et le rendu est là. En tout cas, je trouve le résultat vraiment, vraiment satisfaisant. Je trouve que le teint est toujours aussi mat, bien poudré. Que demander de plus, je suis amplement satisfaite, j'adore. Sincèrement, j'adore. Donc on passe au bilan. Alors, question tenue. Je trouve qu'il tient vraiment longtemps, je l'ai porté 7-8 heures je pense. Et la matité est toujours présente. J'ai toujours l'air bien maquillée, j'ai pas l'air d'avoir passé la nuit dehors quoi, donc vraiment bonne tenue. Question couvrance, je dirais que la couvrance n'est pas totale, je la qualifierais de moyenne, moyenne à forte, modulable, pour avoir quelque chose de très intense en appliquant deux couches. Avec une couche vous aurez un teint unifié, avec deux couches vous aurez un teint parfait. Alors, concernant la teinte, je suis vraiment satisfaite d'avoir choisi la teinte sienne. Elle me correspond tout à fait. À ma grande surprise, le fond de teint n'a pas oxydé comme avec l'ancienne formule. Et là, alléluia, je suis super contente. De plus, ce fond de teint ne marque pas les zones de sécheresse, il ne tiraille pas, il est vraiment confortable lorsque je le porte. Je me sens pas oppressée, je n'ai pas envie de le retirer. Je me sens à l'aise avec et limite je l'oublie à un moment. Alors oui, je recommande ce fond de teint, il vaut vraiment le coup. Je le trouve efficace sur moi, il est parfait pour une peau mixte à grasse ou sur une peau grasse. Il va matifier votre teint, il va tenir longtemps, il va bien unifier votre peau. Donc pour moi, il rassemble toutes les qualités du bon fond de teint. Donc foncez, je vous le recommande 1000 fois. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dites-moi dans les commentaires si ce fond de teint vous intéresse, si ce fond de teint vous l'avez testé de votre côté. Donc donnez-moi votre ressenti. Voilà, donc sinon on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me laisser des pouces positifs. On se retrouve très prochainement, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye bye.